comment ça va? Ça va? Ah, mieux que Karim Benani qui a perdu encore. Oh là 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 là. Eh oui, non, mais vous cherchez, c'est normal. Je suis l'homme à battre et à battre. Mais non, vous faites des montages, c'est normal. 2023, je pensais que, allez, on allait. C'était monstrueux la semaine dernière. Ouais, bah, c'est un monstre. Monstrueux, évidemment, dans un instant. On reviendra sur l'affaire Noël Le Graët, évidemment. Il n'y a pas le meilleur début d'année pour Noël. Il n'a pas entamé. Bon. Voilà, comme il se doit, mais on reviendra évidemment là-dessus. Et avant, on se fait un petit tour de terrain, évidemment. Direction le Yémen. Vous allez voir une belle boulette. Eh oui, si. Tout le monde l'a vu, c'est rentré, monsieur. Si, on l'a vu, c'est rentré. Attention. Attention, alerte sol glissant en Italie. Attends, rattrape-moi. Je vais repartir. Non, repars pas tout de suite. Tiens, voilà, hop là. En Arabie Saoudite, CR7 a déjà un clapping. Ouais, pas mal. On a découvert que le vestiaire des Metropolitans était trop petit pour la nouvelle star du basket. Ouais, faut agrandir les mecs. Wemby. Hey Wemby. Quelle star. Il est incroyable. Et on a aussi découvert que le joueur de NBA avait déplumé l'oiseau Twitter pour se faire un blouson. C'est pas cool. Oui, c'est la mode, c'est les cagoules. Mbappé avait lancé le truc et bam. Faut oser. Ça va, il fait froid et on ne répétera jamais assez. Le métier de photographe en bord de terrain est un métier à risque. Pourquoi ils se mettent toujours à côté comme ça? Mettez des barrières, Les barrières, les joueurs les prennent. Ah oui, c'est vrai. Il vaut mieux prendre les photographes. Il est malin. Il est pas c'est pas une vedette pour rien. Il est temps de reparler d'un vieux monsieur qu'on adore tous ici. Oui, évidemment, on l'adore, c'est notre Tiziano Crudelli. Était un peu. Je l'adore plus trop, parce que s'il parle de Le Graët, mets-moi pas dans la sauce. Non. Tiziano Crudelli, le commentateur vedette en Italie, qui commentait le match du Milan contre la Roma. Et vous savez, il parle à ses collègues comme ça, très très près. Ça doit être assez agaçant quand même. Et de l'ail, non? Oui. Déviazione. Goal. Et il y va, il approche. Goal. Et il lui fout le seum. Il m'énerve. Ah, c'est bon. Meilleur vœu à Tiziano qu'on retrouve en forme en 2023. On n'a pas l'argent. Non, parce que là. Vous êtes fous. C'est lui, c'est en a le casting le plus. C'est vrai, évidemment. On va rester en Italie avec, vous allez le voir, un phénomène paranormal qui arrive très rarement. Ça s'appelle le but fantôme. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. L'arbitre, lui, il dit qu'il y a but, mais on va la revoir. Regardez, c'est parti. On va la voir déjà. C'est parti. Il n'y a pas but. Jamais but. Eh ben si, il y a but. Hein? Mais non. Eh oui, il y a but. Oh, vous chipotez. Elle rentre. Voilà. Il est complètement à côté. Oui, mais il est loin. Et puis, sinon, il serait dans les filets. Belle célébration quand même. Belle célébration. Et il n'y a pas la VAR. Il y a but. Ça vous énerve. Il serait dans les filets. Peut-être qu'il y avait un trou dans les filets. Faut que je pense à mon cœur. Oui, tranquille. Détendez-vous, Greg. Tout va bien. Car demain, c'est déjà le retour de la Ligue 1. Et vous allez voir qu'en conf, on n'a parlé que de cette 18e journée. C'est fantastique. Merci, Noël. Comment tu réagis au propos de Noël Le Graët? Évidemment, tu t'attendais certainement à cette question. On a vu hier le président de la fédération s'exprimer sur Zidane. Toute l'actualité qui a été faite autour de Noël Le Graët par Zidane. Lui, il est bien avec Lovren et Le Graët. J'ai pas envie. Et la meilleure réponse, elle est là quand même. Elle est du côté de Nantes. Non, terminé. comme ça, c'est fait. Tu vas pas, t'as vu derrière. Non. Bah non, tu vas pas, t'es journaliste, tu es bon, il a dit non. C'est non. Alors justement, l'affaire Le Graët n'en finit pas de faire parler, et fait extraordinaire, enfin, peu commun. Le COMEX va se réunir demain, on l'a vu, en urgence. Et bien, je peux vous dire que c'est un mensonge. Voilà, je vous le dis à tous, c'est un mensonge, puisque le COMEX s'est réuni cet après-midi. Merci Swan qui suit. Le COMEX s'est déjà réuni. Il fallait faire quelque chose, ils l'ont fait ou pas. Direction la Fédération Française de Foot. Bon les gars, merci d'être venus. Noël est devant les chiffres et les lettres. On a exactement 45 minutes pour prendre une décision.
comment on fait pour contrôler Pépère? Parce que là, c'est plus jouable. Hein. C'est un jour une connerie, moi je tiens plus. Hein. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas le lâcher d'une semelle. Donc, j'ai pensé au papyphone. Voilà, ah, pas mal. C'est le babyphone de ma fille. Je l'ai mis dans le bureau de Noël et puis voilà, on le surveille. Ah ben là, il fait sa sieste de l'après-midi. Ah, il ronfle. Hein. C'est pas mal le papyphone, mais le problème, c'est pas quand il dort, le problème, c'est quand il est éveillé. Hein. Alors, déjà, il faut lui supprimer l'accès au bar. Régis, on en est où sur ce dossier? Je m'en suis occupé personnellement. Il n'y a plus rien. Whisky, tequila, gin, pastis, vodka. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Okay. Mais tranquille. Super Régis, merci, hein? J'apprécie ton implication dans cette histoire. Au niveau de la sécurité du personnel féminin dans le bâtiment, Patrick, alors, on en est où? Parce que là, il y a eu encore un témoignage ce matin, ça va pas du tout ça. Nous, on a lancé l'opération Boule de Noël. Hein. C'est drôle parce que c'est par rapport au... Oui, oui, j'ai compris Patrick, merci, les boules, tout ça, ouais. Oui, merci. Donc, on a déplacé l'ensemble de la jambe féminine au 6e étage pour qu'elle soit en sécurité et on a mis des lasers à détection de mouvement. Donc si Noël rentre au 6e étage, automatiquement, ça déclenche... Ah ouais, ah oui, alors là, ah là c'est super, super efficace, ah. Bravo. Plus je vais craquer. Mais qu'est-ce que t'as Thierry? Il a quoi Thierry là? C'est le service com là, ils en peuvent plus, ils sont au bout là. Il a passé un dimanche après-midi de l'enfer, il faisait la galette avec ses gamins et d'un coup... Je vois des dérapages de Noël Le Graët partout. Michel, t'avais pensé à un truc, alors raconte-nous un peu parce que j'ai pas alors moi j'ai pensé à un système un peu farfelu, c'est-à-dire que on le contrôle avec des fils comme ça et on le fait bouger, coucou Noël quoi, et on le fait parler et tout ça. Et voilà, ça marche. Aux États-Unis, ils font ça avec Joe Biden. Tout le monde vote du feu. C'est pas bête, ça, mais... Attends, comment on le fait parler? Parce que je... Hein, t'es ventriloque? Excuse-moi, Zinedine, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. C'est bien, mais c'est pas encore Jeff Panaclock. Hein. Excusez-moi, tout le monde. Non, parce que quoi? Sinon, juste, on vote tous et on le vire, quoi. On le virait, nous. On peut faire ça, hein. Non, mais attends, combien de fois je t'ai dit, on n'est pas là pour prendre des décisions, on est là pour prendre du pognon. Merde. Il est con. Il est plus dans son bureau, il est plus dans son bureau. Ah, oh non, on y va, 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 on le vire, sinon il suffit de lever la main, c'est ça. Eh oui, il suffit de lever la main. Et on rappelle quand même... Peut-être qu'ils vont lever la main demain. Normalement, le président de la Fédé est bénévole. Ah bon? Oui. Ah bah c'est du bénévole, très bien. En tout cas, on va se quitter avec un petit tour de magie. Vas-y, papa. Ah, vous allez voir, c'est exceptionnel. Non, ouais, magie. Merci bien Antoine pour cette petite lumière, mais bravo parce que l'actualité Noël Le Graët l'inspire énormément entre hier et aujourd'hui. Bravo, bravo madame. Dans un instant, Julien, comment est la tablette? Ah, elle chauffe. Attention, n'y allez vraiment pas, vraiment malheureux, allez vous brûler. Il y a une grosse info qui vient de tomber. Ah bon? Ah oui. Vous progressez beaucoup, ah, oui, vous. Foutant Mercato, oui, est-ce que c'est bien? Non. Pas celle-là.